C'est bon, normalement je devrais avoir le son qui a dû revenir. C'est bon, on a le son. Je voudrais savoir si vous avez le son du jeu aussi ou pas du tout. C'est bon? Alors désolé, il y a eu un gros souci, gros bug au niveau de la Vermedia ou c'est les problèmes que j'avais avec ma carte, ma RAM qui repart. Alors je sais pas, je referai un test ce soir par rapport à ma RAM. Peut-être qu'elle est défectueuse et qu'elle est redevenue défectueuse parce que je l'avais arrangée et tout. Mais peut-être que ça rebug, donc je ne sais pas du tout. Je ferai une sorte de test ce soir après le live. Donc normalement, on est bon. Oui, c'est normal, Marie, c'est moi qui stoppais parce que c'était mon Avermedia qui avait un gros bug. Bon, bienvenue à tous et à toutes. Bon, très heureuse de vous voir. Donc salut Laetitia, coucou Nico, salut Ludo, re ma petite Vicky, re Alex. Salut Nico Nico, bienvenue à tous, coucou Jean-Louis, coucou Marie, ça en est bon, c'est un Indien qui t'a mis la peinture. Non, c'est la peinture de... C'est le... Comment ça s'appelle? La peinture de Assassin's Creed Odyssey. Examinez le bug d'Animus. Ah ouais, mais non, mais là j'ai pas le niveau pour ça, là mec. Ça c'est un niveau 47, 37, 47. Donc non. On va aller faire celle-là. Ou peut-être... Attends, le visage du lézard. Rejoindre Memphis. Ouh, t'as le crocodile. Non, on va essayer de voir celui-là. Or, c'est où? Ah oui, là, ça y est, on commence à sortir des trucs. C'est quoi? On va faire les quêtes annexes. Je vais avancer dans les quêtes annexes parce qu'il y a encore trop de choses à faire. Et comme ça m'augmente au niveau des niveaux, là. T'en es ici. Quitte à être ici, on va faire ça là. Qu'est-ce que j'ai à récupérer, à ouvrir? On va faire les points d'exclamation qui sont ici là. Et ensuite, on va descendre au fur et à mesure. Salut JS, comment ça va? Coucou Chantal, bienvenue. Bienvenue à tous. Merci, c'est gentil Nico pour le maquillage. C'est Tom, merci beaucoup. Bienvenue les gars. Alors, on va aller en face. Je pense qu'il y avait le petit, on a une quête avec le petit. Et ensuite, on va aussi débloquer un peu, voilà, tous les points d'exclamation, d'interrogation. Et ensuite, on va voir un peu à peu près. Alors, qu'est-ce que tu as à me donner? Petit, j'avais peur des bêtes sauvages, Bayek. Et c'est quelque chose que j'avoue pas facilement. S'il te plaît, épargne de telles frayeurs aux enfants. Fais-le pour moi. Ok. Donc c'est pas trop loin le truc. On va voir où est-ce que c'est. C'est en hauteur. C'est ici. Bon, on va aller là, là. Merci Nico. Bienvenue à tous. N'oubliez pas les amis, nous sommes aussi sur Twitch pour les personnes que ça intéresse. Voilà, si vous préférez Twitch, nous sommes aussi sur Twitch. Voilà les gars. Et bienvenue à tous et à toutes. Donc, à la base c'est là-bas. Ouais, mais là j'ai rien. Ok, donc. Qui est là? Je suis armé. Je vais te faire si mal à la tête et ailleurs que les dieux s'en souviendront jusqu'à la fin des temps. Calme-toi, mon ami. Je ne te veux pas de mal. Salut Ludo! Il n'en reste plus grand-chose de valeur. Les chacals ont déjà dépouillé cet endroit de sa chair. J'ai lu le récit d'une bataille entre Mysis et Ocus. Tu sais si elle s'est déroulée ici? C'est ici que Mysis a trouvé la mort des mains de Bagoas, l'eunuque, et Mentor, le Rhodien. Tu as peut-être lu ma version de J'ai vu Thoth? Non? Peu importe. Tu sais ce qu'est devenue l'épée de Mysis? L'épée de Ptah? Celle qu'on dit sacrée pour Sekhmet et Serket? Non. Mais je te l'ai dit, ce lieu a été pillé il y a bien longtemps. Les bandits sont installés au nord, et je les évite. Merci. Je vais aller au nord. On va aller au nord. On va aller leur faire un petit coucou. Ouais, donc en fait, j'ai une mission, elle s'est mise toute seule. Bon, en attendant, je vais faire celle-là La marque de d'abord. Serket. La déesse de la magie et du poison. Oh.
Eh bah, dégage. Ouais, moi aussi. Moi aussi, mec. Alors, attends, tu sais quoi, on va y aller, on y est. Oh, il y a des bruits chelous. Des sarcophages portant la marque de Serket. Combien de morts lui faut-il? Beaucoup. Ça fait des bruits chelous. Là. Quel est ce bruit? Des voix? Des fantômes? Des démons? Je dois trouver l'origine de ces incantations. Même. Trouver l'entrée de la grotte. Là, on a des escaliers là-bas. Là, il y a des cons. Je pense que c'est là-bas. Hein. Ok. Ah non, il regarde juste, il est tranquille, hein, il profite du live. Bienvenue à tous les gars. Alors attends, il est où mon truc? Ouais, c'est pas par là en fait. Merde. Viens, je te pique ta gueule. Quoi? Alors attends, j'ai mis en surbrillance. Attends, j'avais mis en surbrillance le truc, il est où? Attends, je devais t'arrêter moi. Il y avait pas l'entrée par là? Oh, je pète un câble, les gars. Je suis sûre. Ah, voilà, je me disais, je suis sûre qu'il y avait une entrée. Je sais pourquoi ça me l'a défait. Je sais pas. Coucou, mon petit Jojo, comment ça va? T'as repris Assassin's Creed Valhalla? Ben, tu vas adorer, hein. Moi, je l'adore, il était trop bien. Je me suis régalée à le faire. Merci, mon petit Joanne, pour le partage. Serket, la déesse de la magie et du poison. C'est elle qui en serre la gorge. C'est elle. Merci Alex pour le partage. Bienvenue à tous les gars. Ce symbole est ancien. Ce lieu est oublié depuis longtemps. Ok. Merci beaucoup Alex pour les étoiles. Merci. Il y a un truc. Ah ben c'est de là où on était tout à l'heure. Ok. C'est par là qu'on entendait le son. Coucou Mylène, comment ça va? Bienvenue.
C'est quoi ça? Il y a un truc qui s'est mis là, il y a marqué quoi? Activer un groupe d'étoiles. Ah, ils ont recommencé les groupes d'étoiles. Donc il y a les groupes d'étoiles qui se sont activés. Merci Jojo. Bon voilà, je sais pas, il y a un groupe d'étoiles, je sais pas ce que c'est. Je viens à peine de le voir, c'est la première fois que je le vois, avant je le voyais pas. Merci Alex. Je suis prêt. Allez. Oh. Mais qui es-tu? Dommage, je voulais me fighter moi. Qui es-tu pour oser venir troubler notre œuvre sacrée? Sacrée? T'intégrer une secte. J'ai suivi votre piste de c'est sang. C'est ça. Cette grotte empeste la profanation. C'est vous qui êtes responsable. Alors, c'est la déesse quoi, ce Serket truc est celle qui enserre la gorge et celle qui permet de respirer. J'accomplis sa volonté. Je suis son dar. Ses âmes ont été choisies par les Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Nous étudions. Oui, c'est les. Nous lisons. C'est les trucs d'étoiles, oui. Oh, merci beaucoup, Mylène. Merci, c'est adorable. C'est les trucs d'étoiles, c'est-à-dire que si je reçois 2000 étoiles, j'ai un bonus de $50. On va voir si vous êtes si vraiment je reçois 2000 étoiles dans les 3 minutes. C'est un truc comme ça. Oh! Relève-toi, mec. Merci beaucoup, Alex. Oh putain, il y a tout. Le problème, c'est que je suis en train de cramer moi-même, voilà. Voilà. On me daffe plein dans la rue. Ah, ben là, c'est normal, hein. Il va y en avoir de plus en plus. Merci à tous. Merci beaucoup Ludo. Merci beaucoup Alex. Merci beaucoup. Merci à tous les gars. Merci. Combien il nous reste? Oh! Ah ben voilà. Je viens de regarder. Merci, merci Alex, merci Mylène, merci Marie, on a validé. Merci, vous êtes exceptionnels les gars. C'est top, merci beaucoup les gars, merci. Alors on est bon là. Rejoindre la région. Merci tout le monde. Vous êtes au top. Salut ma petite Sarah, comment ça va? Bienvenue, bienvenue à tous. Merci, merci. Descends, descends, descends. Merci. Ah bah ça c'est cool Mylène, ça y est, ça commence à mieux à s'améliorer chez vous, donc ça va. Non, nous ils ont dit que à la base chez nous en Australie, ils ont dit qu'Omicron il y a beaucoup de cas ici, mais qu'ils ne comptent ni fermer ni faire de restrictions parce qu'il y a très peu de personnes qui décèdent de l'Omicron ici en Australie. Donc voilà, ils vont laisser le pic passer. Ils avaient prévu qu'il allait avoir un gros pic entre janvier et février. Et c'était prévu. Et non, on met juste les masques par précaution. Voilà, la vaccination, voilà, pour les deux doses. Et puis c'est tout. On reste quand même comme ça. Nous, on a eu un cas contact. On n'était pas cas contact, mais on a eu un cas dans l'école du petit. Ils nous ont dit si vous n'avez pas de symptômes ni quoi que ce soit, pas la peine de vous tester. On ne vous fermera pas.
C'est pas la peine. Bon, voilà, ils sont quand même... ils se sont dit en fait qu'ils vont laisser comme ça, c'est... ils savaient que Omicron il était beaucoup plus contagieux, mais ils ont constaté qu'il tuait beaucoup moins de personnes, donc voilà. Mon petit. Il y a quoi? Il y a une sorte de grotte, non? Je vais y aller. Ah là, c'est pas fini, il y en a encore. Ah, t'es là, t'es encore là. Voilà. Ah ouais, je suis d'accord avec toi, JS. Bah, ça va aller. Ok, je sais pas, mais en tout cas... D'accord, ok. C'est bon, on n'a plus rien là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a là maintenant? Animaux nuisibles, ouais mais ça c'est une sorte de petite quête annexe ça les animaux nuisibles. Ah un cercle de pierre, ah putain j'ai raté un cercle de pierre, ça c'est dans une de mes missions ça. On va y retourner. Bon je pense d'ici la fin de l'année ça va aller. Ça va aller, ça va aller les gars. On y est presque. On tient le coup. Alors attends, il y avait un cercle de pierre, on est pas rage. Ouais, ouais, bon, ça va aller, écoute. Déjà, ils sont, les variants sont beaucoup moins costauds maintenant. Là, le dernier, il est plus contagieux, mais il est moins costaud. Il y a moins de décès, donc au plus il va y avoir de variants, au moins ils seront dangereux et après ça va aller. C'est chiant, on est encore en plein dedans, hein, mais... ça va le faire. Faut y croire. Avec Ebola, mais non. Alors, attends, il va falloir que je le calme. Je calme où, là? Quand tu as connu maman, comment t'as su que tu lui plaisais? Mon cœur s'est enflammé, fils. Elle m'a souri. Je crois que c'est lui. Et son regard m'a laissé sans. Non. Ça ressemble pas trop à une. Alors, si une fille t'aime bien, elle te sourit. Fils, il y a des choses que je peux t'expliquer. Les étoiles, comment se battre. Mais ça, même un dieu ne peut l'enseigner. Tu devras demander à une déesse. Celui-là non plus. Ah, celui-là. Attends. Non. Déesse de la maternité et de la joie. Elle est aimée de tous les Égyptiens. Du plus humble. Putain, mais on va la au mettre plus grand. Où? Maîtresse de l'Ouest. Elle accueille les morts dans l'autre monde. Ah, lui peut-être? Non. Ah là. De toute façon, la grippe espagnole, elle a duré, je crois, 2 ans où ça a buté tout le monde. Et après 2 ans encore, je crois qu'elle a duré à peu près 4 ans, la grippe espagnole. Donc ça, quand il y a des pandémies, ça dure pas un an. Hein. Les pandémies, souvent, elles sont entre 2 et 4.
Ok. Ça, c'est fait. Ensuite, on en est où? Donc là, 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 tout est bon. On est ok. On a dit qu'on voulait descendre. Parce que là, il y a plein d'endroits, hein. Il y a plein de trucs à récupérer. Mais ça, je peux les faire en off. Donc le but, c'est que on aille ici. Allez, c'est parti. On est où en quête principale? Voilà. Allez, allez ici. C'est parti, on va ouvrir une nouvelle, un nouveau endroit. On y va. Je vais juste manger mes toasts. T'as raison. Bienvenue à tous les gars, bienvenue pour les personnes qui sont sur Twitch, bienvenue pour les personnes qui sont eh bien sur Facebook aussi. Bienvenue les amis. Alors, ok, 1300. Ah! Ça fait mieux quoi, j'ai appelé mon cheval mec. C'est ça. Je fais un cheat. Ça va le faire les amis. Alors, donc on va aller à Memphis, comme ça on va débloquer ça. Après les autres, les petites quêtes annexes et tout, je pense les frais en off. Tout ça là, ça va se débloquer et tout. Donc ça, ça, tout ça, tout ça, tout ça. On était là. Memphis. Oh, oh, tu t'as pris les doigts sur la table. Ah, ça fait mal ça. Je me suis ruiné. Il faut que je parle à Pachirepta. Il doit être au grand temple. Ok, mais... Nouvelle ville découverte. Paora, paix à toi. Comment vas-tu? Paora, pardon, mais... paix à toi. Ça va. Comment vas-tu, mes enfants se portent bien. Ça va. Mes enfants se portent bien. Et toi? Comment vont les affaires? Ah, c'est merci, Alex. Oh! Tana, il a un peu crevé quand même dans l'eau. Même c'est plus. Dégueulasse! La ville est belle. Mais elle dégage l'odeur d'un champ de bataille. D'un tombeau. Il y a des crocos et tout énorme. Alors. Ok. On y est presque. Mais à Babelouette le truc. J'adore aller dans l'eau, lui. Alors, temple de frappe. Comment on y rentre par là? Ah! Bon, on a l'air d'être les bienvenus. Donc ça, c'est pas mal. Ah.
Moi j'y vais, je pousse tout le monde. Tu te souviens de cette mission? Ah ouais, c'est un vrai miracle. Si ça continue, je vais vomir. Sois certain d'une chose. Si notre enfant vient à mourir, je meurs. Non, mon Lotus, tu ne dois pas dire ça. Je dois me rendre chez le clairvoyant. Laisse-moi, je t'en prie. Ouais, je sais pas où est-ce que j'en suis. Peut-être du milieu de l'histoire. On a commencé à bien ouvrir les, la carte. On avance bien, on a fini un peu la zone pyramide et tout. Grand prêtre. Ah, Bayek. Désolé, je suis... Je suis venu chercher le lézard. Oh, le lézard. Un fléau de plus pour notre pauvre Memphis. La ville souffre d'une terrible malédiction. La maladie, la pestilence, la puanteur empoisonnée de l'air. Le taureau Apis est malade aux portes de la mort. Rêve, on veut pas des gens qui mendient chez nous. Ça, c'est ta phrase, mon petit Robin. Les gens me consultent pour que je les guide, mais je suis aussi désemparé qu'eux. Vache. Apis, de quoi nous punis-tu? Vache. Le mal se répand même à ma propre maison. Ma femme Taïmotep a fait 3 fausses couches cette année. Elle est de nouveau enceinte, mais si... Alors, pour si partager, ma belle, tu sais, alors, là où il y a les commentaires, à côté des commentaires, tu as une sorte de petit pouce bleu. Ou sinon, tu as une sorte de petite flèche. Et en fait, c'est si tu cliques sur la flèche, c'est là où tu peux partager. Je vais enquêter sur cette maladie. Juste à côté de la ligne de commentaires, de ma femme pour commenter. Sa maison se trouve au sud-ouest. Si les dieux sont responsables, je serai à tes côtés pour affronter leur jugement. Bienvenue à tous! Salut Jean, comment ça va? Alors... Que doit-on faire? Je sens que je vais bien aimer cette mission. Descends. Bonjour, bienvenue à tous les amis, bienvenue à tous ceux qui sont sur Twitch et bienvenue à toutes les personnes qui sont sur Facebook. Grandis, lueur, approche, ô lueur. Mon enfant. Tu es arrivé, enfin. Qui est cet homme? C'est le libérateur. Moi qui l'attends depuis si longtemps. Quoi? Vite! Aide-moi à tirer mon enfant des griffes de la mort. Accomplissons le rite. Salut Jean-Claude, bienvenue à toi, comment ça va? Apporte-moi le chaudron. Je suis le maître des choses secrètes. La forme de l'âme qui repose dans les cieux. T'as trouvé Marie? Je suis le serviteur du grand dieu, du vénérable source de toute lumière. Je suis le compagnon de la flamme, dans la bouche duquel le feu ne s'éteint pas. Mais le... Sotis, révèle-toi en ce jour et réponds-moi sans détour. Super bien, merci beaucoup. Laisse tes yeux s'ouvrir. Dénué d'humidité,
Tu dois sortir du ruisseau. Satis, laisse leurs yeux s'ouvrir. Mais la potion magique. Laisse les yeux s'ouvrir. Me dis pas qu'on s'est encore fait avoir, hein. C'est qu'aussi bon, hein, on en a marre que tu te fasses avoir, mec. Hein. J'espère que c'est pas une entourloupe. Tombeau d'Alexandre. Ce tombeau n'a jamais été découvert. Ok. Tu m'as même pas laissé le temps de lire. Si jamais je m'égare. T'inquiète, Marie, y a pas de souci. Alors attends. Quel est cet endroit oublié des dieux? Doit continuer, ou le désert m'engloutira. Ouais, je sais pas du tout où on va, mec. Non, il m'a englouti. C'était pas par là. Il y a quelqu'un là-bas? Ah. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de tombeau? Ah non, j'ai vu. Chez moi, il est 22h10. Je devrais nous rapprocher de ces feux. Je dois continuer, ou le désert m'engloutira. Continue, mec. Ça va le faire. Salut, Moussa. Comment ça va? Salut, Victoria. Bienvenue. Cette ombre, c'est le dévoreur des âmes. Ouais. Elle avalait te bouffer. Non, j'habite en Australie, moi. Je vous salue, gardien qui veillez aux portes, qui avalait les âmes et dévorait les cadavres des défunts. J'ai fait un long voyage. Non, on a 9 heures de décalage. J'ai vu d'innombrables choses. Je ne suis que l'un de vous. Je vais me battre contre moi-même. Ça a l'impression, j'ai l'impression que c'est moi. C'est clair. Non. On dirait le serpent dans... comment ça s'appelle? Aladdin. On dirait Scar. Pas Scar, comment il s'appelle? On dirait... comment il s'appelle? Jafar. Quand il se transforme en serpent dans Aladdin. C'est la même gueule. Je prends là un slibard et torse nu. Mais non, il fait pas chaud là. Ah mais non, mais ne me dis pas que j'ai une bataille là. Mais je suis nulle, moi, en bataille. On va faire comment? Anubis, ah, merde. Seigneur des morts. Ce vieux fou m'aurait empoisonné. Oh, poison. Oh,
Sérieux, mais ça lui fait que dalle, ta merde. Je saisis l'arc et je balaie le ciel. Est-ce que je suis obligée de lui toucher la tête, non? Apep n'est pas invincible. Tu ne dévoreras pas mon cœur. Non. On va crever. Ré, protège-moi. Relève-toi, mec. Je vais crever, hein, mais j'ai pas le niveau, moi. J'ai fou, lui. Je suis celui qui noue la corde et consolide le sanctuaire. Je suis celui qui repousse le destructeur. Ouais, mais attendez, oh, c'est pas du jeu. C'est chaud quand même. Putain, mais ils sont en train de me défoncer, son poison de merde. Je saisis l'arc et je balaie le ciel. Je vais plus me régénérer, là, c'est foutu. Tu ne dévoreras pas mon cœur. Ça fait blic. Le destructeur. On est bon. Là, ça fait du ralenti, j'arrive jamais à lui tirer. Je saisis l'arc et je balaie le ciel. On a fait la première phase, je pense. Ok. Donc voilà, il y a la première phase, elle est faite. Mais bon, je vais quand même bien toucher là. Yeah.
On y est presque, on y est presque. Le boss du temple de l'eau. Ah, coucou. Bisous, Mathilde Victoria. Je pense que je vais acheter du Nutella. Je suis dans le nord de l'Australie, tout en haut, dans la zone tropicale. Salut Mathieu, Sabrina, comment ça va? Ça va bien? Bienvenue! Qu'est-ce que c'est, Papo? Papo? J'ai traversé le... Ça va super, ma petite Sabrina. Bon, on a réussi, hein. Désolé. Ouais. Je suis là, maintenant. Je suis venu. Tu m'apprendras à chasser... Bienvenue à tous! Non mais ça va, hein. Enfin, c'était gérable, je suis d'accord. C'était faisable. Je sais pas dans quoi il est, je pense. Il a bu une sorte de potion, ça l'a envoyé dans un temple. Merci. On a bien géré, ça va. Bon, heureusement que j'ai pas pris le mode expert. Hein. C'est pas la même. Ils sont revenus, tirés des griffes de celui qui plonge leurs yeux dans le noir. Mon enfant est en vie. Loué soient les dieux. Que vois-tu? Ton ennemi est le même que le sien. Refuse. La nourriture du temple, celui qui la prépare, te fait ingérer la chair des morts. Va, tue l'empoisonneur et libère Memphis de cette funeste engeance. Non, j'ai pas reçu Moussa. Qui nous délivrera tous. Ouais, ouais, ok. Tu me laisses pas vraiment le choix, meuf. Sur le coup, j'ai cru qu'il y avait marqué par la thermomètre. J'ai dit, comment ça, thermomètre, ça s'appelle... C'est quoi ce nom chelou? Oh, y'a que moi qui fais des trucs comme ça. Ah, j'ai eu un trophée.
Aya. Mon amour. Tout va bien? Mieux, maintenant que je te vois. Salut John, Klein, bienvenue. Bienvenue à toi, John. J'ai rêvé. Tendra la température. De notre fils. Bayek. L'épouse du grand prêtre a été empoisonnée. Et selon son clairvoyant, l'empoisonneur est notre ennemi. Le lézard? C'est ce que je crois. Le taureau Apis aussi est à l'agonie. Nous devons nous rendre au temple. Nous parlerons de tes rêves en chemin. Pour trouver parler à thermomètre. Viens, en bateau ce sera plus rapide. Mais il y a que moi qui fait des trucs comme quel ça. Quel effet ça te fait d'être Medjay de toute l'Égypte? Ah, c'est un peu comme suivre une colonie de fourmis. Mais je suis fier de servir ceux qui ont besoin d'aide. Moi aussi. Et je suis fier de servir la reine. Tu as parlé au grand prêtre? Oui, avant l'arrivée de la reine. Elle vient à Memphis? Oui. La dirigeante exilée se montre au cœur de l'Égypte ancienne. Bon, attends, fais voir, on doit aller où là? Parce que tu me dis de prendre le bateau. Ouais, voilà, ok. Donc c'est bon. Ça risque de déplaire au jeune Ptolémée. Je suis si heureuse. Des discussions profondes. Aya. Tu es l'unique source de joie qui me reste. Oh non, j'en peux plus de vous. Je veux que tu reviennes près de moi. Je suis liée à la reine, je la sais. Et notre lien, total. Il est toujours aussi fort. Mais nous savons de quoi l'ordre est capable. Nous pouvons l'affronter côte à côte. Oh, j'ai fait une promesse à la reine. Est-ce qu'elle t'apporte de plus que moi? Elle m'a offert un nouvel horizon. Je ne cesserai jamais de pleurer notre fils. Jamais. Mais je veux aider à bâtir un monde qui dépasse notre chagrin. Afin qu'aucune mère n'ait plus jamais à vivre ce que j'ai vécu. Quand j'aurai tué le lézard. Quand tu auras tué le lézard, je quitterai Memphis. Alors je te suivrai. Chassons ensemble, comme autrefois. Ah, il est top ce jeu, j'adore. Franchement, il est trop bien. Tu as dit que des rêves t'avaient troublé. Est-ce que tu veux m'en parler? Non. Je préfère t'épargner ce fardeau. Nous devrons en parler un jour, lorsque la tempête sera passée. Lorsque la tempête sera passée. Si elle passe un jour. Oui, elle passera. Ah, mais faut réussir à te suivre, meuf, hein. Par où on commence? Va inspecter l'enclos. Je vais super bien, merci beaucoup, John. Ah, je vois. Ah non, c'est pas à moi que tu disais. C'est Alex, je viens de voir. Alors, entrer dans la zone d'investigation. Donc on y est dessus, là. Ouais. Hé, hey, c'est toi qui nourris le taureau Apis? Non, ce sont les prêtresses qui en ont la charge. Tu sais où on garde son fourrage? Dans ce bâtiment, près de l'escalier. Mais on l'a fermé la semaine dernière, quand le taureau est tombé malade. Je te remercie. Okay. C'est peut-être le fourrage qui rend le taureau malade. Mais il est trop tôt pour le dire. Il me faut plus de preuves. Du fourrage pour le taureau. Le reste doit être dans cette remise. Nous, on est comme ça, nous, on vient, on pète tout. Des noyaux de pêche. Si on en a donné à manger au taureau Apis, ça expliquerait son état. Et ce collier? Une des prêtresses jumelles emportait un semblable. Je vais aller voir si ça ne vient pas du collier de l'autre. Ok. Je suis une servante de la reine. La santé d'Apis lui tient bien ce que je pensais. L'une des prêtresses jumelles n'a pas de collier. Pouvez-vous me décrire vos tâches quotidiennes? Tous les jours se ressemblent. Nous nous levons pour les prières du matin et nous nourrissons le dieu. Nous bénissons son grain. Mais pour l'instant, John, j'ai fait que Valhalla et Origine. Nettoie son enclos.
J'ai vraiment adoré Valhalla, mais c'est vrai que là, origine, la période égyptienne et tout, j'adore. Mmh. Donc pour l'instant, c'est celui-là mon préféré, oui. Mais après, je vais faire les autres, donc fermier. Je sais pas encore. J'ai toujours trouvé que le paysan qui lui apporte son grain avait un regard mauvais. Je devrais peut-être l'interroger. L'interroger? Non. Je vais aller voir ce paysan, et ma lame se chargera de faire justice. Attends, tu ne veux pas lui parler avant? Inutile. La dénonciation d'une servante des déesses jumelles me suffit. Il a péché à l'encontre du dieu. Il doit mourir. Ma sœur a parlé trop vite. Cet homme est peut-être innocent. Vous savez pourquoi Apis est malade? Oui. Je comprends. Ça, c'est un moyen subtil d'empoisonner un animal. Mes sœurs, c'est sans doute un accident. Peut-être. Mais pas autant. Nous devions sauver Pancratès! Hein? Qui? Notre frère! Des bandits l'ont enlevé alors que nous allions au marché. Ils nous ont forcés à empoisonner le dieu. Ils ont menacé de jeter notre frère au crocodile! Depuis, nous en avons perdu le sommeil. Je suis désolée. Nous n'avions pas le choix. Jamais nous... Oui, oui, Odyssée, il est prévu, Jean. T'inquiète. Je n'aime pas ça. Ce ne sont pas des malédictions. C'est l'ordre qui est derrière tout ça. Ok. Va au temple d'Hathor sans moi. Je ne peux pas les laisser seuls. Ok. Alors, on va aller au temple. Est-ce que je peux escalader? Ouais. Attends, est-ce que j'ai un truc pour... Non, j'ai rien pour me téléporter. Tu as fait un joli sommet. Ah oh, mais ça va, pas ta scène de touche. Dégagez le passage. Ta gueule. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ce doigt? Prendre la température. Est-ce qu'il y avait un truc secret quand même? Ah! T'avais quoi toi là? Ok. Ah, allez, on fait celle-là et on sera bon. Voyez, tout terrain. C'est vrai. Vous voyez qui fait tout. Quoi? Ah ben là, ça va être un peu la merde, pour être discrétos. Rien ne dit que le danger soit passé. Le truc, c'est que lui, là, il faut qu'il se casse. Barre-toi, comme ça, je me mets sur la truc. Je vais devoir les buter. Ah, ils attaquent à vue par ici. Sans blague. Ah, mais c'est maintenant que tu t'en vas, toi. Oh merde. J'ai pas vu qu'il y en avait un autre. Chut. Pourrais-je au moins avoir un peu d'eau? Et si je te pissais dans le fond du gosier en te soutenant que c'est du vin? Quel vulgaire personnage! Ah, mais là, il y a trop de monde. Allez, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qui te prend?
Allez! C'est moi! Louis, sois les dieux d'avoir envoyé un robuste guerrier à mon secours! Tu es blessé. Je vais te porter en lieu sûr. On m'a pas vu encore en fait. Bah attends avant de le porter en lieu sûr, mec. Et je vais te tuer. Allez, viens, mon petit chat. Quoi? Voilà. Ok. D'accord, là on est bon. Quoi? Salut Gaëtan, comment ça va? Bienvenue! Bonne journée, ma petite Sarah, des gros bisous! Mais on ne peut être sûr de rien. Toi, c'est fait. Ok. Plier le trésor. Attends, mais le trésor, je l'ai pas vu. Ah ben voilà, il est juste là, le trésor. Attends, on va essayer de pas se faire voir. Ah bah oui, il est, c'était le gros coffre. Ok. Il n'y avait pas des mecs que je devais... Ah voilà. Non, c'est pour toi que je vais récupérer. Pose-le. Allez, viens, mon copain. Ok. Comment on sort de ce bled? Là-bas. Oula. Et si je passe par là? Non, je suis pas sûr. Tu vas crever. Attends, je te laisse là, mec. Ah, parce que je me suis fait voir. Je te tiens à toi. Et c'est qui m'a vu? Bizarre, peut-être c'est lui qui m'a vu. Je pourrais te battre les yeux fermés. Ta gueule. On se casse. Ciao. Parle-moi de ton enlèvement. Mieux vaut en parler quand nous serons seuls. Attends. Et puis j'ai peur que mes blessures m'aient beaucoup affaibli. Pas un peu. Ouais, j'ai fait le maquillage de Assassin's Creed Odyssey de Cassandra. Voilà, ah, t'inquiète, y'a pas de soucis, Gaëtan. Attends, avant d'entrer, je dois te parler. T'inquiète pas, je comprends totalement, Gaëtan, t'inquiète. J'aimerais épargner à mes sœurs les détails les plus pénibles de ma captivité. Je comprends. L'homme qui a ordonné mon enlèvement est un prêtre d'Anubis qui officie au Grand Temple. Un prêtre de l'entourage de Pachyrepta. Tu peux me le décrire? Bienvenue à tous. Il porte une écharpe bleue et il tousse horriblement. Le lézard. Je le tiens. Oui. Pancratès! Tu es blessé? Ils t'ont maltraité? Il m'avait ligoté, il me donnait des croûtes de pain comme un vulgaire mendiant. Alors? C'est l'œuvre du lézard. Et je vais encore avoir le sang d'un prêtre. Ah, c'est gentil, John. L'ordre se répand partout. Pour protéger l'Égypte, je suis prête à tuer un millier de prêtres. Nous sommes tous deux voués à la violence. Maintenant. Et à jamais. Ah, merci Gaëtan, c'est gentil. Tu
dois avertir Pacherepta. Il attend au palais. J'ai récupéré des choses okay. d'ici. C'est qui le lézard? Attends, je suis intrigué. Moi. Oh, on l'a pas son visage. C'est de ma gueule. Eh bien, les amis, on va se laisser ici pour l'épisode. Merci à toutes les personnes qui ont participé au live. C'était un bonheur de faire ce live avec vous, comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, à vous abonner pour les personnes qui souhaitent eh bien s'abonner. On a plusieurs abonnements ici. On a les abonnements qui sont gratuits et classiques sur YouTube, sur Facebook et sur Twitch. Ça vous donne accès à tous les lives. Donc, les lives sont sur Twitch et sur Facebook. Et la rediffusion, le replay des lives seront sur YouTube. Pour les personnes qui préfèrent YouTube, ce sera la rediffusion des lives que je posterai chaque jour. Voilà, vous avez aussi la possibilité de vous abonner en paiement. Donc, il y a les paiements à 4,99€ qui vous donnent accès eh bien, à un jeu à gagner tous les deux mois par tirage au sort. On a déjà eu 4 gagnants. Prochain tirage au sort, ce sera début février. Ensuite, vous avez la possibilité de jouer avec moi en coupe avec cet abonnement. On est sur Far Cry 6 et sur Resident Evil 6 en ce moment. Et vous avez l'accès au Discord privé, voilà, pour les abonnés super fans. En tout cas, je vous fais tout plein de gros bisous. On se donne bien rendez-vous ce soir entre 22h et 23h pour continuer nos aventures sur The Witcher 3. Et pour les personnes qui sont des petits couche-tôt, eh bien, je vous donne rendez-vous demain avec Johan. On est sur Fire Crisis entre 12h30 et 1h30. Voilà, je vous fais des gros bisous. Passez une excellente journée, les gars. Et à ce soir. Bye!